Elle rêvait de cinéma. À 55 ans, Céline Dion a fait ses premiers pas d'actrice dans la comédie romantique Aimer à nouveau, réalisée par Jim C. Strouse. Une envie que l'artiste n'a jamais cachée, mais si son public attend avec impatience d'avoir de ses nouvelles et son retour sur scène, il n'a pas répondu présent à ce rendez-vous. Et pour cause. Dans les salles obscures nord-américaines, les entrées sont désastreuses, indique le Journal de Montréal. Sorti le 5 mai dernier au Canada et aux États-Unis, le long métrage n'a récolté que 6 millions de dollars au box-office, selon les informations box-office Mojo relayées par le quotidien. Et ce, alors que sa réalisation aurait coûté 9 millions de dollars, précise le magazine Variety. En France, les résultats ne sont pas plus réjouissants. Avec seulement 36 242 spectateurs pendant sa première semaine à l'affiche, le film se classe 13e au box-office français. Supérieur à supérieur à photo, Céline Dion, son incroyable évolution beauté en 50 looks qui ont marqué sa carrière. Le film de Céline Dion démoli par la critique. Côté critique, le film peine à convaincre. Pour certains, Céline Dion aurait mieux fait de ne pas donner la réplique à Priyanka Chopra, Jonas et Sam Hugan. Et ce, même si elle ne fait qu'une brève apparition de 12 minutes, dévoilant 5 nouvelles chansons. Un long métrage démoli par Variety, la référence absolue en matière de critique, rapportent nos confrères canadiens. Pour l'animatrice québécoise Denise Bombardier, René Angélil, de là où il est désormais, en mourait une seconde fois de la voir dans cette production. Selon elle, en plus d'avoir perdu sa voix, la diva aux millions d'albums vendus n'a plus avec elle l'appui de protecteur qui aurait pu la mettre en garde sur ce nouveau projet. Un coup de massue de plus pour Céline Dion qui n'a cessé d'affronter les épreuves au cours de ces dernières années. Après les reports successifs de ses concerts, la veuve de René Angélil s'est vue contrainte d'annuler ses dates en raison de sa santé fragile. Crédit photo, Backgrid UK. Take a chance, you can just keep.